Coucou tout le monde! Eh bien, je suis contente de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on entame le battleur et en fait, avec le thème amour. Alors, la question, c'est que puis-je faire pour trouver l'âme sœur? Alors, quand on regarde bien le battleur, on voit que c'est quelqu'un qui prend l'initiative. En fait, il travaille avec plein d'outils, il a plein de choses à faire. En fait, il se lance dans quelque chose. Donc en fait, trouver l'âme sœur, c'est peut-être aller oser, aller voilà, chercher la personne et pas peut-être pas attendre enfin, de la rencontrer par hasard ou voilà, ou que l'autre fasse le premier pas. Alors le battleur, il montre aussi que quelque chose est possible, tout est possible avec le battleur, que en fait, il ose, il a pas peur d'aller chercher, il faut entamer de nouvelles actions. Voilà, il va aller chercher. Donc, voilà, c'est ce qu'il faudra faire. Alors, quels obstacles m'empêchent de trouver l'amour? Quelque part avec le battleur, le fait de ne pas voir le futur. Parce qu'on le voit, il a toujours un regard un peu vers le passé, il est très pensif, il cherche, mais il regarde beaucoup avant. Il a trop tendance à regarder derrière lui, et voilà. Donc, c'est quelqu'un aussi qui doute beaucoup aussi de lui. On le voit, il entame quelque chose de nouveau, ben, on n'a pas le sentiment qu'il sait vraiment ce qu'il fait. Ça peut aussi l'empêcher de trouver l'amour parce qu'il ne sait pas comment faire. Il a aussi ce côté un peu, quand on le voit, le battleur, c'est quelqu'un qui est, c'est un peu le magicien, si on veut. Donc, c'est un amuseur de public, c'est, voilà. Et ben, c'est peut-être l'idée aussi de se dire qu'il ne prends pas les choses trop au sérieux. Et évidemment, quand on a envie de chercher l'amour, ben, c'est peut-être pas ça qu'il faudrait faire. Voilà. Alors, la troisième question, c'est comment améliorer ma relation sentimentale avec le conjoint, quoi. Tout d'abord, ce sera peut-être écouter et communiquer. Voilà. Le battleur montre qu'il voit un peu tout ce qui se passe à droite à gauche. On le voit, il regarde chez les autres, donc ça donne cette idée d'aller voir qu'est-ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'il faut écouter. Peut-être qu'il sait pas faire, donc quelque part il a besoin de ça. Il a ce besoin de souplesse d'esprit aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire plus? C'est une carte qui est extrêmement créative. On le voit dans ses étalements. Donc, voilà, il a besoin de peut-être de montrer plus, voilà, de montrer beaucoup plus son amour, probablement. Alors, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est aussi la carte, ouais, qui personnifie l'énergie sexuelle masculine. Donc peut-être que il va falloir se mettre un peu plus au boulot, messieurs. Voilà. Eh bien, ce sera tout pour cette première vidéo du Battleur avec l'amour de manière générale. Et je vous retrouve une prochaine vidéo. Bye bye!